Bienvenue pour ces trophées d'été. Vous connaissez le principe de cette émission pendant tout l'été qui vous accompagne sur TV Liberté. Vous cliquez sur le pouce bleu sur YouTube pour avoir la possibilité de faire gagner votre invité préféré. Et le sélectionné du jour est Philippe de Villiers, l'écrivain, que tout le monde sur TV Liberté connaît déjà. Et l'entrepreneur, on le retrouve tout de suite. Merci, à bientôt. Alors d'abord les faits. Tous les journalistes parlent, depuis quelques jours, du heur de deux communautés. Communauté maghrébine, communauté tchétchène. Et donc, euh, ce faisant, on installe l'idée qu'il y a des communautés en France, il n'y a plus la communauté nationale, mais il y a des communautés maghrébines, tchétchènes et puis d'autres, qui se battent entre elles sur notre sol. Donc, euh, nous, on est comme des étrangers. On regarde ce qui se passe chez nous. C'est n'est plus nous qui nous battons. Euh, on cherche même plus à nous battre parce qu'on a quasiment disparu. Euh, nous, nous, quand on existe face à ces gens-là, on fait la génuflexion, comme M. Castaner. Voilà. Ça, c'est la première chose. Premier fait. Deuxième fait euh, on voit les kalachnikovs. On voit les armes. On voit les armes de guerre. Et donc, en fait on voit qu'on est tout près de la guerre civile. Parce que ces armes de guerre, elles sont entrées, on ne sait pas comment, hein merci aux soldats Schengen, et euh, elles sont dans les caves et elles sortent quand il faut. Mais il y en a beaucoup d'autres armes, dans des enclaves étrangères, qui, euh, qui veillent à ce que la police ne pénètre plus, non plus que les pompiers ni les médecins. Troisième réflexion, troisième fait, euh, on n'aurait jamais eu accès à ces informations s'il n'y avait pas eu des, des vidéos amateurs euh, tournées d'ailleurs par les premiers concernés hein, souvent oui, et, voilà, et, voilà. Dont ils sont fiers voilà. de, et, et, de sinon de faire la sinon la presse n'y va pas la presse n'y va pas et le pouvoir politique on n'aurait pas parlé vous voyez donc voilà. Et, et, alors, et alors, on a M. Núñez qui dit ouais, on va, on va les renvoyer chez eux, <laughs> etc. Ce sont des réfugiés politiques. Bravo, droit d'asile, etc. Donc c'est une, une faillite. Mais maintenant, je vais aller plus loin. En fait, depuis euh, les générations giscardiennes, immigration de travail, immigration de peuplement, le regroupement familial. Des générations politiques successives, et ça continue, ont, au nom de l'accueil de l'autre, accueilli ou fait venir le patronat euh, des vagues d'immigrants, d'immigrés, qui se sont installés dans des territoires qu'on a appelés les territoires perdus de la République, on aurait plutôt les appeler les territoires conquis, mais ça va plus loin, ce sont des enclaves étrangères. Ces enclaves étrangères développent un militantisme racialiste avec euh, cette magnifique famille Traoré euh, euh, prolifique, euh, Marie, le, le père polygame, enfin, euh, dans, dans, j'ai lu un article dans le Fierro qui dit une belle famille. Oui. Une belle famille française. Une belle famille française, quatre, euh, mais vraiment euh, des, des beaux enfants, quoi, hein, dont beaucoup connaissent la prison euh, et connaissent les forces de l'ordre. Euh, bon. euh, mais il n'y a pas que la famille Trauer, il y a aussi les réseaux de drogue, il y a aussi évidemment euh, euh, l'idée que la police ne doit pas pénétrer. Donc on accuse la police de racisme pour la déconsidérer aux yeux des Français, pour la désarmer, parce que c'est le dernier rempart. À la partition, je veux dire à la sécession, et donc à la, à la guerre civile. Mais il faut aller plus loin. On a donc fait entrer, nous, les, enfin, la France, nos gouvernants. L'État français. L'État français, mais avec la complicité de toute la bourgeoisie française, les bourgeois libertaires, libéraux, etc. Bon. On a fait rentrer ces, ces gens euh, sans, sans, en nous disant que c'était une chance pour la France, l'immigration. Okay. Maintenant, c'est la punition. On passe à la phase suivante. Pourquoi Parce que ces enclaves étrangères développent l'idée que les Français ne sont plus chez eux. En fait, la France, c'est eux, avec notre sécurité sociale. La France, c'est eux. Pourquoi Parce que notre France, c'est une France esclavagiste, colonialiste, anti-LGBTiste, sexiste. Cette France-là, elle doit disparaître de chez elle. Et donc, ils vont nous mettre dehors. Ils veulent nous mettre dehors. Et, euh, Alain Finkelcrode disait très bien, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on accepte la mise en, en accusation de notre culture, de notre littérature, de notre langue, de notre histoire, bien sûr, d'où l'idée de déboulonner les statuts. Euh, et pourquoi tout ça Parce qu'en fait, ils veulent changer de civilisation. Ils veulent, pour nous punir d'avoir été des colonisateurs, euh, installer chez nous. Une colonisation de barbares. En fait, euh, moi j'ai créé euh, euh, une œuvre qui s'appelle Le Puits du Fou et j'ai beaucoup souffert d'être euh, euh, par des gens comme le quotidien, etc., d'être mis sur le bas-côté pendant des années, des années, des années. Et tout à coup, il y a un gars qui est ministre de l'économie, socialiste du gouvernement Hollande, et qui, euh, qui vient me voir à la rotonde. Moi, je suis à l'étage, il est en Paris. Ouais, il est en bas, il monte, et il me dit, euh, je voudrais vous rencontrer, euh, je voudrais venir au Puy-du-Fou avec ma femme, Brigitte, etc. Très bien, bon. Il vient, il reste un long moment. En sortant de la scène, il dit, quelle ferveur. Et, euh, et ensuite, il il me parle et me reparle depuis du fou à plusieurs reprises. Et euh, c'est l'occasion pour moi, à ce moment, d'aller plus loin. Et de lui dire, attention, ce que je dis, <laughs> ce que je dis en 2018. Euh, euh, attention, on est d'accord sur rien. Hein, donc euh, vous avez fait Jeanne d'Arc, vous avez fait le Puy du Fou, mais euh, il faut la verticalité, il faut habiter le corps du roi. Et euh, euh, voilà, et puis le temps a passé. Euh, et... Euh, c'est l'amitié dans la vérité, jusqu'au moment où la vérité est trop cruelle. Et si j'ai décidé de publier dans mon livre Le Dîner du Dévoilement, qui s'appelle Le Dîner du Dévoilement. Un chapitre particulier ouais, C'est parce qu'à un moment donné, je me, je me suis dit bon, euh, c'est pas parce qu'il est venu au puy du fou qu'il faut l'exonérer de tout ce qu'il ne fait pas, ou de tout ce qu'il fait mal. Euh, alors, c'est vrai qu'un gars qui vient au plus du fou, euh, on aime. Que ce soit le showbiz, la politique, on est content. Et, et après, il ben, y a une petite cote. Voilà. Mais vous pouvez comprendre ça. Hein. Bon. Et, mais, mais ça ne suffit pas. Quand on est, quand on est conscient de, de, des périls auxquels la France est en train de faire face, et à un moment donné, euh, on n'accepte plus d'être une caution parce qu'en réalité c'était ça c'est que lui il se disait euh, villiers le plus du fou ça me permet de toucher une aile euh, conservatrice libérale souverainiste etc voilà donc moi je dis stop là et lorsqu'il y a ce fameux dîner – Alors, on est le 3 mars 2019, c'est dans, oui. dans un chapitre hein, de oui. l'ouvrage. Vous êtes l'invité du couple Macron, euh, de Brigitte et Emmanuel Macron. Le dîner se déroule mal, il suffit de, de, de lire l'ouvrage, même honnêtement très mal, puisque le président de la République menace de, 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 de quitter euh, la table. Euh, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça ne pouvait pas être autrement que cela La confrontation entre vous et Emmanuel Macron ne pouvait aboutir qu'à une incompréhension de chaque côté euh, alors, vous avez raison, après coup, c'est ce que je pense, mais pendant longtemps, je me suis dit, il euh, faut que ça marche. -dire, moi, je ne suis plus dans la politique, je ne suis pas un homme de parti, et euh, je suis comme beaucoup de Français, il faut que ça marche, quoi, parce que ça va durer 5 ans, donc bon, essayons de tirer des bords, quoi, comme on dit dans le fond du globe. Essayons de, de, de lui faire passer des idées, etc. Et j'avais plutôt l'impression au début, sur la verticalité, que. Il m'entendait, il m'écoutait. Bon. Là, pourquoi ça a dérapé Sur deux questions. Alors, il y a eu l'affaire Vincent Lambert, où là, on a échangé, ça, 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 ça a commencé à frotter les garde-boues. Et puis, euh, il y a eu la question de la PMA. Donc, pour moi, c'est essentiel la question de la filiation. Je dit, si vous détruisez la filiation, vous détruisez la France. Et puis, la question de l'assimilation. Le défi migratoire. Il me dit quelle est la question centrale pour vous Je dis le défi migratoire. Et là, il balaye ça en disant mais non. Et je dis le mouvement décolonial. Et vous avez dit la, la, la colonisation est un crime contre l'humanité, etc. Euh, voilà. Et, et, et là, et, et, et ce dîner, ce dîner, euh, on est sorti du en même temps. Tant qu'il y avait le en même temps, on se disait, bon, ça peut, ça peut basculer dans un sens, dans l'autre. Espérons dans le bon sens. Mais là, ce soir-là, je me dis, euh, il considère la France comme un damier, il est prêt à accepter, il accepte, il revendique même le côte à côte de deux civilisations qui ne sont pas miscibles, l'arabo-musulmane et la chrétienne occidentale. Donc là, on ne peut plus. Donc là, l'amitié, euh, elle disparaît quand la vérité est trop cruelle. On va faire des contre-monuments. Ah oui, on va faire un contre-monument à Molière parce que Molière c'est le féminicide, les femmes savantes. Euh, Voltaire parce que c'est l'islamophobie. Lyotet, Charles de Foucault, le colonialisme, etc. On va faire des, partout des contre-monuments. Ça va faire travailler les gens du bronze. Hein <laughs> bon. Mais, euh, et, et on accepte ça. Et, 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 et ben moi, <laughs> moi je ne supporte plus ça. C'est pour ça que je suis venu là. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. <laughs> et alors, il y a une sorte de pression, J'ai pas fait exprès. Quand j'ai terminé mon livre sur le, sur le Covid, là, qui est accablant pour, pour nos gouvernants, et aussi pour un peuple qui a accepté de se laisser confiner pendant deux mois comme des troglodytes recroquevillés dans une falaise de craie, cest le bétail doux, doux poli et tranquille de Saint-Exupéry, euh, j'ai fait un dernier chapitre en disant maintenant il y a le prochain virus, le prochain virus islamo-gauchiste, on est dedans. Le prochain virus, est-ce qu'on va accepter de le désigner est-ce qu'on va accepter euh, de l'éradiquer En fait, il y a trois virus. Quand j'ai connu euh, Emmanuel Macron, on va peut-être en parler. Bien sûr. Il, 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 a, il a parlé de la lèpre populiste, c'était le virus il y avait que ce virus-là. D'ailleurs, quand Delors est revenu pour essayer de mettre de l'ordre dans les questions européennes, il a dit le microbe est de retour. Donc le microbe, ne faut pas se tromper, c'est le, le repli nationaliste, le, la lèpre populiste. Alors, ça, c'était le premier virus. Il a été chassé par un autre, le coronavirus. Et puis derrière, il y a un autre virus, le, le racialisme, etc. Euh, toute, cette, euh, toute cette racaille, toute cette barbarie qui nous assaille, qui nous fait peur, qui nous met en panique euh, et qui fait que plus personne ne se lève et que les politiciens sont prêts au pacte, ils sont prêts à l'armistice. Bon, là on est sur euh, des choses d'extrêmement sérieux, de douloureux. Que, ou bien euh, c'est la francisation, on reprend le travail de francisation chez nous, ou bien c'est la fin de l'aventure. C'est-à-dire que euh, euh, quand, quand, euh, quand je parlais avec Macron, je lui disais euh, la France peut mourir. Le titre de mon livre, Les Gaulois réfractaires, c'est pas de moi, c'est de Macron. Et, et il a dit un, un jour en, à Copenhague devant la reine et les Danois dit, Vous êtes un peuple luthérien souple d'esprit, alors que moi j'ai des Gaulois réfractaires. Mmh. Sous-entendu, ils sont indociles, indisciplinés. Eh bien, les Gaulois réfractaires, ils ont accepté euh, de se laisser embastiller, enfermés, encasernés. Euh, pendant, pendant deux mois. Et en sortant, c'est normal qu'ils demandent des comptes. Ils demandent des comptes pourquoi Parce qu'ils sentent, sur le Formica, avec leur expérience qu'on leur a menti, on leur a dit les frontières ne servent à rien. Mais oui, mais alors tout le monde euh, euh, voilà, euh, euh, remonte ses frontières. Et puis tout à coup, les frontières ne servent à rien, mais confinement, ils n'ont pas besoin de faire du latin pour savoir que ça veut dire avec des frontières. On leur impose des gestes barrières, mais qu'est-ce que c'est qu'un geste barrière C'est une frontière. Et, que, et alors, on leur parle de l'espace sans frontières, au niveau européen, et l'espace sans frontières, ça devient la frontière sans espace. C'est-à-dire que quand vous récusez la réalité, la nécessité des frontières nationales, qu'est-ce que vous récoltez Eh bien, la frontière domestique. Et qu'est-ce que c'est que le confinement général du peuple français C'est la suite logique. Je ne veux pas de frontières, je veux un monde sans frontières, je veux une mondialisation sans frontières, sans souveraineté, sans nation, une mais société liquide, vous. offshore. Restez chez vous et allez voter. <laughs> et restez chez vous et voilà. Et, et, et puis à un moment donné, non seulement restez chez vous, mais il y aura une attestation pour sortir dehors. Et vous aurez juste le droit de promener au tien. Il y a sept cases, vous avez remarqué Il y a sept cases, ce que je raconte dans mon livre. Et euh, ça me rappelle les, les sept péchés capitaux de mon enfance, les sept euh, piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie, mm -hmm. les sept chefs de M. Seguin, là encore de mon enfance, euh, les sept sceaux de l'Apocalypse. Et bien désormais, dans l'histoire, je m'adresse aux téléspectateurs il y aura les sept cases d'Edouard Philippe. Après la décongélation, je vous parlerai de la course des petits chevaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on verra s'organiser la course des petits chevaux. Mais on ne sait pas à ce moment-là ce qui se passera. Voilà. Il y a un cheval qui a pris de l'avance, semble-t-il. Alors, est, oui, mais. Euh, euh, oui, on, est, euh, on, on peut dire ça, un cheval qui a pris de l'avance. Euh, et il y, y a même un couple qui a pris de l'avance, hein, Macron-Le Pen. Mais euh, pour avoir vécu plusieurs élections présidentielles comme vous, les, on, quand on regarde les, les sondages un an avant et le résultat, ça n'a strictement rien à voir. Vous voulez, je vous donner un exemple. Donnez-moi. En 1994, j'ai mon succès aux européennes avec Jimmy Vous euh, battez Nicolas Sarkozy. Fin 94, oui, Fin 94, euh, le patron de Paris Match. M'appelle il me dit On va faire la photo de, une photo de vous sur un bateau à l'île-dieu, euh, la une, <coughs> la surprise qui monte. Et j'étais à 12% et Chirac était à 13%. Là-dessus, Séguin rejoint Chirac, il fait son truc à la porte de Versailles, la fracture sociale, et puis je suis liquidé. Voilà. Donc, c'est meurtrier la politique. C'est un, un système de va-et-vient et de cornu alchimique. Après, les, les Français font leur mélange. Mais c'est jamais à l'arrivée comme au départ. voilà, Je, je dis ça. Voilà. Euh, le, le fait que Marine Le Pen soit haute dans les sondages indique quelque chose euh, qui est la même chose que le succès de mon livre. C'est qu'en fait, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol euh, des classes populaires, un ras-le-bol des classes moyennes. Et il y, y a une peur qui parcourt le pays au point qu'il y a des officiers. Dans toute l'histoire des épidémies, euh, dans l'histoire de la Lep, dans l'histoire de la peste, l'Église était centrale. Elle avait un message. Elle était ce qu'on pourrait appeler la spécialiste de, de la mort, c'est-à-dire du passage. Là, elle est périphérique. Mmh. Elle a, il y a eu des communiqués de la conférence des évêques de France euh, disant, je cite de mémoire, je cite dans mon livre, que le, le bien suprême, c'était la santé. Et là, j'aborde un sujet très important avec vous, en répondant à votre question. Avec mon expérience politique, euh, la prophylactique, c'est la santé. Très bien. C'est le métier des scientifiques et des médecins. Mais si on considère que la survie biologique est supérieure à la vie, la politique disparaît. Or, la vie, c'est la vie... Affective, c'est la vie sociale, c'est la vie familiale, c'est la vie spirituelle, c'est la vie culturelle, c'est la vie créative. La vie, le risque de la vie. Une société qui, au nom de la survie, n'est plus euh, prête à prendre euh, ce risque et, 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 enfin, et euh, est prête à liquider la vie, à enfermer la vie. Euh, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Euh, Orwell, réveille-toi ils sont devenus fous. C'est en fait Michel Foucault, je ne cite pas souvent, mais il a parlé du biopouvoir. Et on, on a en, On pourrait aussi citer Renan qui disait Le scientisme, ça consiste à organiser scientifiquement l'humanité. Voilà, on y est. Alors je reviens à l'Église. Alors l'Église catholique romaine, euh, l'Église des évêques, euh, elle, a, elle a suivi le mouvement. Il y a des associations euh, catholiques traditionnelles qui ont sauvé l'honneur en allant au Conseil d'État, mmh. euh, et, et je dis simplement, je répète ma, ma phrase, euh, une, une église qui euh, appelle aux vocations, après avoir fermé ses églises pendant le confinement, c'est une église qui suscite des vocations de serrurier. Il en faut. Mais moi, j'écris un livre sur Saint-Louis. Quand Saint-Louis euh, quitte… Euh, l'île de la cité, le samedi, il va à Royon. Et, et là, il, il, il voit les moines qui apportent une écuelle tous les dimanches de viande euh, hachée pour euh, un, un moine. C'est un moine atteint de la lèpre. Sur lui voyagent toutes les répugnances de la nature, dit Saint Louis. <laughs> Et lui, le roi de France, en robe de bure, euh, parce que chaque, euh, euh, chaque samedi, chaque dimanche, euh, il, il est à, à Royaumont, il vit comme un moine, et il apporte la nourriture aux moines, et, et, il prend son tour. Un jour, il prend les QL et il dit non, c'est moi qui vais. Il y va, le, il s'appelle le frère Liger, de mémoire. Il frappe à la porte, euh, il entre et euh, il est effaré. Il n'a plus de visage. Et tous les dimanches, il lui apporte à manger. Il prend des risques, il est le roi, il prend des risques énormes. Euh, il aurait dû être confiné, euh, c'est pas sérieux. N'empêche qu'il il, il, l'aide à vivre. Et quand le, le frère Liger va mourir, il va euh, décider de l'enterrer à côté de ses propres enfants, de sa propre famille. Euh, il en fait un prince. Voilà, le lépreux. Ça, c'est une civilisation. Vous vous rendez compte que pendant le Covid, on a quand même fait, on a voulu faire la loi sur l'euthanasie, on a fait la loi sur la PMA, on a fait l'avortement à 9 mois, c'est-à-dire l'infanticide, on a fait surtout, ce qui est passé inaperçu, sauf ici, sans doute, euh, une loi qui autorise les chimères, c'est-à-dire le mélange d'embryons. D'animaux et d'hommes. Je me souviens du professeur Lejeune qui m'a dit Je pense pas qu'on aille jusque-là. C'est-à-dire qu'on est, qu est aux, aux portes du transhumanisme. Le transhumanisme de Google, de Jeff Bezos, de tous ces gens-là qui, qui numérisent nos algorithmes euh, et qui euh, s'apparentent à une théophanie numérique, c'est-à-dire une vision du monde dans laquelle le nouvel article. En vitrine, c'est l'immortalité, mais pas pour tout le monde. Pour les Eloïs, que, 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 comme dit le roman uh, The Time Machine, mais pas pour les Morlocks. Pour les Eloïs, c'est ceux qui auront droit aux prothèses, mais pas pour les Morlocks, ceux qui vivent sous terre et qui, ne, et qui craignent la lumière et qui travaillent pour ceux qui vont. Euh, avoir le droit de, de vivre. Et donc moi je ne veux pas de cette société-État pour la France. Euh, et je vous dis ça parce que qu'à l'instant je vois dans le journal Le Monde deux nouvelles importantes. Premièrement le, passe, le passeport sanitaire, ça y est, donc je le décris dans mon livre, je dis attention ça c'est l'identité numérique, on y va tout droit, c'est-à-dire que c'est le contrôle total. Et deuxièmement les algorithmes soi-disant pour récupérer euh, des données sur les terroristes. C'est-à-dire qu'on va, euh, le, le mouchard, c'est-à-dire le géant du numérique, va donner aux au, au gendarmes vos algorithmes. Tout, 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 tout sur vous. Voilà, et donc ça s'appelle une société totalitaire, mais, mais Big Brother, mais on en est très loin, on est très loin. On a euh, les pauvres, le meilleur des mondes, Huxley, euh, ils sont, ils sont, ce sont des enfants de cœur. Il faut qu'il y ait des jeunes Français aujourd'hui qui se lèvent et qui disent Ne touchez pas à notre mère. C'est notre mère, c'est la France. Et on est des débiteurs. Et si on veut être des créateurs, il faut qu'on accepte d'être des débiteurs. La dette est immense, c'est une dette morale. Euh, elle n'est pas remboursable. Donc au moins comportons-nous comme des gardiens, comme des garants et euh, sauvons ce qu'on peut sauver. Et soyons dignes. Alors voilà, digne jamais jamais larges. Vous savez, sur le génédecine, quand il est venu en Vendée, euh, on a eu une conversation la dernière, il m'a dit Oh, l'intelligence, l'intelligence. Il parlait de Giscard, l'intelligence, l'intelligence en France, que des gens intelligents. La France, les salons du 18e, tout le monde était intelligent, les lumières. Les... Et il était... il s'est énervé pour la première fois. Et j'ai Du calme Et quoi Vous voulez dire quoi il dit le courage. Le C'est courage. avant euh, son discours, euh, non, ou après le discours d'Harvard, déclin du courage. Le courage, il me dit, le courage français. Oh. Voilà, Duquesne, Bayard, Jeanne d'Arc, Clovis, des, la Grande Lignée, tous ceux qui ont été des réfractaires. Voilà. Et euh, moi, j'espère, jusqu'à mon dernier souffle, me comporter comme un réfractaire. Je préfère... Euh, euh, je préfère être un martyr, si ça m'est demandé, que de mourir comme un lâche. Parce que si j'ai fait le plus du fou, c'est parce que j'aime mon pays, j'aime la Vendée, j'aime la France. Je peux pas accepter la situation dans laquelle on est. Voilà, enfin, c'est tout. C'est pas autre chose. C'est totalement gratuit, totalement gratuit.